Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce WCW Thunder et The Nature Boy dans le ring. Wow, wow, merci à tous. C'est un réel plaisir d'être ici ce soir. Personne ne sait pourquoi je suis ici ce soir. Alors mettons les choses au clair. Je suis un ancien de la WCW et on est à WCW Thunder. Alors on va parler de ce show. Ah. La WCW a connu de grandes stars, Sting, Hogan, Goldberg, les Four Horsemen, NWO et autres. Mais pour moi, je trouve que ce show WCW Thunder n'a en rien le moindre rapport avec la WCW. C'était une idée de Ted DiBiase, mais c'était une grosse erreur. À notre époque, les Horsemen et la WNWO étaient de vrais leaders. Enfin, plus les Horsemen que les Pecnons en noir et blanc. Ah, c'est un peu méchant. C'est un peu méchant, mais c'est du Ric Flair comme on aime. C'est le Nature Boy, il lance des pics. C'est comme ça. Et... qu'est-ce que... oh. Alors je crois que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il a parlé NWO et on entend la musique de la NWO qui va venir. Oh, John Cena is back. John Cena is back, the World Heavyweight Champion, qui a battu Goldberg à WrestleMania, on ne l'avait pas vu depuis. Et John Cena vient dans le même ring que Rick Flair. Oh my god, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que John Cena peut bien répondre à ce petit tacle de Ric Flair en disant que les Four Horsemen étaient meilleurs que la NWO, ou du moins un peu plus populaire? Oh là là, Cena! J'ai eu le privilège d'être sur la route, de monter et descendre, des nuits tardives, des fêtes, d'embrasser les filles et de les faire pleurer. Mais toi, Ric Flair, tu parles beaucoup trop. Beaucoup trop. Ah, c'est ce que John Cena faisait pendant sa pause, en tout cas. Il faisait pleurer des femmes. Avec les Horsemen, en ce qui me concerne, vous n'étiez pas de vrais Horsemen. Et prétendre le contraire, c'est irrespectueux pour moi et pour ce business du catch. Ah. Miroir, miroir, sur le mur, qui est le plus beau de tous? Pourquoi pas toi, Nature Boy? Non pas ce tas de merde de John Cena. Ah, ça mâche pas les mots entre les deux. Tu ne peux pas être moi. Tu ne peux pas faire comme moi. Et je te coupe tout de suite. Oh là 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 là. C'est vrai que John Cena a dit nuit tardive, embrasser des femmes et les faire pleurer. C'était clairement une phrase de Ric Flair. Et John Cena essaie un petit peu d'imiter Ric Flair. Tu ne me coupes pas la part. Wouh! Hey! Commence pas à jouer à ça avec moi! Oui, oh, ça sortit un goût. Conducteur de limousine, pilote de jet, voleur de baisers, magouilleur, fils de Dieu, qui pourrait embrasser n'importe quelle femme ici, même la plus grosse, et la faire pleurer. Oh, oh, oh. Grand homme, ne vous méprenez pas, ne soyez pas contrarié. Ah non, mais John Cena, ça fait sourire Ric Flair que John Cena utilise les mêmes phrases que Ric Flair et c'est perturbant.
Hey, tout se manège pour avoir la plus longue phrase. Mais au final, The Nature Boy sera toujours meilleur que tes catchphrases pour les enfants de 5 ans. Wouh! Oh oh! Wouh! 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 Oh là là, non mais. Oh non! Oh non, mais alors ça par contre. C'est honteux. Et est-ce que nous ne serons pas dans le premier match de la soirée après ce segment de fou qui finit par un logo de Cena sur Ric Flair? Ça par contre ça va être puni à mon avis. On accueille The New Day, The SmackDown Tag Team Champions, Xavier Woods and Kofi Kingston. Est-ce que cette semaine l'entente va être bonne entre les deux champions? Comme on le sait lors du dernier match, c'était très limite. Les champions par équipe de SmackDown. Oh my god. Qui vont-ils affronter ce soir? Ça va être intéressant en tout cas. Ce match, de voir l'évolution des deux côtés. Est-ce que ça s'est réconcilié? On sait que Kofi Kingston était assez frustré dans ce match. Qu'il en a beaucoup voulu à Xavier Woods. Est-ce qu'ils ont pu parler les deux? Est-ce qu'ils ont pu communiquer? On le rappelle que ce soir, ça a été annoncé le main event. Drew McIntyre défend son titre intercontinental contre un challenger dont on ne connaît même pas l'identité. Bon, on le saura certainement ce soir. En tout cas, il va affronter The Street Profits. Eh oui. Les Street Profits, toujours bien présents. Montez Ford and Dawkins. And their opponents, at a combined weight of 492 pounds, Angelo Dawkins and Montez Ford, the Street Profits. Eh oui, les anciens champions sont bien présents ce soir pour affronter les champions. On rappelle que les titres ne sont pas en jeu et que Money in the Bank, on ne peut pas être plus proche que ce pay-per-view. Il ne reste qu'une semaine, c'est la semaine prochaine, dimanche prochain, à découvrir en direct dès 21h. Money in the Bank. On aura deux matchs de qualification ce soir hein, d'ailleurs. Un pour les hommes et un pour les women's. Concernant les Money in the Bank, ladder match. Ça va être très très intéressant, ça aussi. Cet épisode est... Et la continuité de la route vers Money in the Bank, l'avant-dernier pay-per-view de la saison. On rappelle que le dernier pay-per-view sera SummerSlam et que le mode univers s'arrêtera juste après SummerSlam. SummerSlam est le dernier donc gros événement, le dernier pay-per-view sera le dernier épisode de cette saison qui a duré 2 ans exceptionnellement. C'est Kofi qui comme... Ah non, c'est Xavier Woods qui commence et Kofi n'avait pas l'air au courant. Ah, ça commence très mal entre les deux partenaires. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est pas possible le New Day quoi, ça fait des années qu'ils existent. Et ça commence à ne plus du tout s'entendre là. Et non, Terry Dawkins qui le repousse. Le Running Bulldog bien porté. Contact, prise de tête. Oh, il l'emmène au sol. Et prise de tête de Dawkins. Beaucoup de personnes se demandent ce qu'il va devenir de John Cena et Ric Flair. Je ne sais pas. Ric Flair était là pour
parler de la WCW Thunder, ce show qui trouve que c'est une idée stupide. John Cena est venu complètement l'agresser, le couper, en imitant Ric Flair. Ouf. J'espère que Ric Flair va bien hein, suite à l'attaque de Cena en tout cas. Et encore, et encore. Oh là, Xavier Woods qui se défoule. Il se défoule là. Il... Je sais pas dans sa tête. C'est triste de dire ça, mais je pense qu'il aimerait que ce soit Kofi Kingston à la place de Angelo Dawkins. Allez, il enchaîne encore deux coups de poing. Oh là là là. Ah, il s'est fait enchaîner le pop, il a rien pu faire. C'est triste quand même. De se faire enchaîner comme ça. Il y a le tag avec Montez Ford. Allez, prise de soumission sur Woods. Ça fait Woods, le arm lock et arm breaker. Le tag avec Kofi. Ford, allez. Oh, il enchaîne. New Day en difficulté hein. Allez Kofi. Attention, il a sur les épaules. Oh my god, il s'est fait ça. Et un, et deux, et dégagement de Montez Ford. Allez, Montez Ford de DDT sur Kofi. Ils sont pas bons là, le New Day. C'est peut-être la défaite, Tada. 1, ah, d'accord. Je sais pas ce qu'ils ont là. La mauvaise cohésion d'équipe fait en sorte que c'est pas terrible quoi. Hein. Prise de soumission de la part de Montez Ford. Allez, la back suplex. Attention. Et le tag avec Angelo Dawkins qui a été fait. Oh, le spear d'Angelo Dawkins. Qu'est-ce que... Fille. Chat, c'est bien fait. Il enchaîne. Nice maneuver. 1 et 3, victoire du New Day. Ils s'en sortent quand même.
malgré que c'était pas terrible. Hein. C'est bel et bien Kofi Kingston et Xavier Woods qui remportent ce match. Oh Xavier Woods. Oh il est frustré. Oh il est frustré. Et Kofi Kingston ne tremble pas. Bon, ça va pas entre les deux. Hein. Ça va pas. Ça ne va pas du tout entre le New Day qui sont en train d'imploser, j'ai l'impression. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Prochain match, on accueille le Swiss Superman. Là pour ce match de qualification pour le Money in the Bank ladder match de dimanche prochain. Il ne reste pas beaucoup de place. Cesaro est là, ce serait excellent qu'il gagne. Oh oui, oh oui. Et l'adversaire du soir, Akira Tozawa. Et son opponent de Kobe, Japan, weighing in at 156 pounds, Akira Tozawa. Akira Tozawa. Intéressant comme match. Ah, il n'y en a que un des deux qui pourra gagner. Ça peut être très bon ça. On est parti pour ce match. De Akira, Cesaro qui contre, qui a relevé Akira Tozawa. C'est un match intéressant entre un Cruiserweight et le Swiss Superman. Oh, pied dans le dos. Il revient. Ouf, tension du bras. Il porte la puissance du Suisse. Et la back suplex. Ouf, le big boot. Esquive, oh, le coup de pied d'abdomen. Oh là là là, le bro kick. Ça doit rappeler des souvenirs à Cesaro, ancien partenaire de Sheamus qui formait The Bar. Attention, le backbreaker. Ah ouais, le backbreaker encore une fois. Ah ouais, pas de pitié. Hein. Irish Whip, attention l'arbitre. Oh toi. Et un. Et non, simplement un.
sur Cesaro qui réussit à s'échapper. Oh, les gouttes! Et il assoit. Cesaro, non. 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 Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est complètement loupé. Le pinfall, le pinfall, l'arbitre il est où? Hein? Oh mais quel imbécile! Oh mais virez-moi ce mec, il faut le virer, il faut le virer. Non mais honnêtement, faut le virer ce mec. Faut le virer, faites quelque chose. Qu'est-ce que... Oh pff. Cesaro qui domine bien ce match hein, pour l'instant, pour pas dire le contraire. Oh là là, la puissance, regardez. La Swiss Superman, le Swiss retournement, le retournement suisse. Et là, encore. Oh là là, le Neutralizer! Je vais le tacle! Énervé Akira Tozawa, je crois. Oh le kick in the face. Cesaro, oh le splash! Encore la descente du coudeau cette fois. 1, 2, le pinfall, le pinfall, le pinfall. 1, 2, attention. Attention. Oh la belle esquive de Cesaro. À l'extérieur, ils sont à l'extérieur. La back suplex de Cesaro. Qui va aller se qualifier pour le Money in the Bank? Qui va aller décrocher cette mallette du Money in the Bank? Oh la descente du genou.
côté. Allez! Oh là, Cesaro. J'aimerais bien une victoire de Cesaro aujourd'hui. Allez, c'est bien fait. Enchaîner maintenant. Cesaro, le neutralizer, c'est bien fait. Descendu coup sur la tête, sur la tête. Esquive en tout cas, c'est très combatif entre les deux. Ça se bagarre, ça ne se laisse pas de répit. Pas de répit. Ils sont chauds. Hein. On a German Suplex. 1, 2. Et 3 victoires d'Akira Tozawa. What the hell? Wow. Oh, la victoire de Akira Tozawa, je m'y attendais pas honnêtement. Là, j'avoue que je suis un peu surpris. Mais la victoire est là pour Akira Tozawa. C'est fait. C'est fait en tout cas. Akira Tozawa gagne ce match. Et bat Cesaro et il se qualifie donc. Pour le Money in the Bank ladder match. Oh yeah. Here is your winner, Akira Tozawa. Bravo à Akira Tozawa en tout cas. Ça a été bien joué, ça a été très combatif entre les deux. Oh, les deux ont bien géré dans l'ensemble, ils ont bien géré. Et un seul pouvait gagner. Et c'est le roi des A. C'est notre avant-dernier match de la soirée. C'est un match de qualification pour le Money in the Bank féminin cette fois. Et on a l'air d'accueillir. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Orlando, Florida. Naomi. Naomi. La gagnante du Royal Rumble 2021 du mode univers qui n'a malheureusement pas pu et pas réussi à remporter le titre à WrestleMania. Même si elle a tout fait pour, ça n'a pas passé. Maintenant il faut passer au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est se qualifier pour le Money in the Bank. Alors let's go. Let's go. Perdre de temps, faut foncer. Mais tout dépend de l'adversaire, parce que si c'est je ne sais pas qui ça peut être. Ah, Lexa Bliss. Alexa Bliss, 5 feet of fury, yeah. Et ça c'est cool. Oh, hey, je veux une victoire de Alexa Bliss, hein. On est d'accord là-dessus. Alexa Bliss va gagner, hein.
Ouais, non, 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 non. On va gagner. Il n'y a pas d'autre choix que la victoire pour Alex Abyss. Si Alex Abyss ne gagne pas, il va falloir vraiment, vraiment commencer à s'énerver. Je vous le dis, hein. C'est victoire ou énervement. On est parti. C'est toujours mieux que 0. Hein, la tête à Toto. Oh, c'est rigolo ça. Oh là, je vais tomber. Oh putain, encore. Regardez comment il lui écrase la face. Au sol, oh, la violence. Joli kick. Enchaîne. Allez. Bordel, bien porté. Alex Abyss qui retourne le ball. Oh là là. Allez, oh, Alex Abyss qui est énervé, elle a raison. Allez, faut s'énerver un petit peu. Faut serrer les dents. Oh, c'est bien joué de la part de Naomi. On va se calmer. Calmez-vous. Qui fait tomber Naomi en arrière, c'est tellement dangereux. Oh, Naomi qui se relève immédiatement. C'est ce qui s'appelle ne pas vendre la prise. Honey Contag. À l'extérieur du ring. Attention, belle projection. Elles sont détermination. Pour l'instant, on s'en sort vraiment bien. Un, deux. Attention. Elles sont là, hein, les deux. Mais ouais. Encore. Voilà, magnifiquement porté par Naomi. Elle va gagner, je pense. Il est fort possible qu'elle gagne. Parce que là, elle est mal barrée, Alex Abyss. Elle est trop mal barrée, j'ai envie de dire.
encore pour Alexa, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin pour Alexa, il faut pas perdre espoir. L'espoir fait vivre. C'est ce qu'on dit. Hein. Allez, allez, allez. 1, 2, et... Non, mais... C'est pas possible. Mais laisse-toi battre, Naomi. On l'a dit, si Alexa Bliss ne gagne pas, c'est la rébellion. Non. Voilà, le genou en plein milieu. Alexa Bliss, la Sister Abigail. 1, 2, et 3, yes. La victoire. Ah non, ça c'est Santino Marella, mais là c'est la victoire d'Alexa Bliss. Yes, qualifiée pour le Money in the Bank féminin Alexa Bliss. On la rappelle, hein, qu'elle a gagné l'année dernière. Ah. Mais que se passerait-il si elle gagnait 2 années d'affilée? Ah. Ce serait très intéressant. Ce serait très intéressant. Mais j'ai beau aimer Alexa Bliss, j'ai envie de voir comme une nouvelle catcheuse remporter cette mallette, quelqu'un qui ne l'a jamais remportée. Donc Alexa, on t'aime bien, mais tu vas perdre. Voilà. À Money in the Bank, tu ne vas pas gagner. Here is your winner, Alexa Bliss. En tout cas, ce soir, elle a gagné et c'était un match assez difficile. Oh, elle veut que l'arbitre lui lève le bras. Hein. Elle est autoritaire, cette petite femme. Quand même. C'est la petite Alexa. On l'aime bien. The following champion versus champion contest is scheduled for 1-4. What? Champion contre champion? And is for the Intercontinental Championship. Qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est Sting? Hein? Il y a pas de champion là? NWO? What? What? Kofi? Mais non. Mais c'est quoi ce délire? Kofi Kingston qui vient, mais... Mais non. Ah bah si. Ah bah si, si, il a la tenue noir et blanc avec le logo NW. Mais non. C'est pas possible. Kofi Kingston. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est si... changeant en ce moment avec Xavier Woods, avec le New Day. C'est parce que Kofi Kingston est un traître et Kofi Kingston fait partie de la NWO. Mais what? Oh, je reviens pas. Ah, je reviens pas. C'est pas possible. Kofi Kingston is NWO. Eh ben oui, ce match est un match champion contre champion du coup. On accueille The Intercontinental Champion, Drew McIntyre, qui nous vient de Hale, Scotland. Mais je n'en reviens toujours pas. Kofi Kingston est officiellement dans la NWO. On a oublié de préciser qu'il était accompagné de Paige, Randy Orton et Dolph Ziggler. C'est pour ça qu'il était si distant avec Xavier Woods. Si même ce soir, le match, en début de soirée, ça s'est assez mal terminé. Ah, je reviens pas. On revient pour avoir Kofi Kingston avec la tenue noire et blanche et le logo NWO. C'est surprenant. En tout cas, il affronte Drew ce soir. Le bon Drew McIntyre qui nous vient de Hale, Scotland. Mais du coup, vu que Kofi est la moitié des champions par équipe de SmackDown,
fait partie de la NWO, est-ce que ça comptabilise la NWO contre champion par équipe de SmackDown ou pas? Attendez, Xavier Woods ne peut pas faire partie, c'est pas possible. C'est pas possible, ce serait pas embrouillé les deux s'ils étaient tous les deux dans le même trahison. Il a acclamé Kofi quand même. Je pense que c'est la plus grosse surprise de la soirée. Pourtant, il y en a ce soir. Introducing the challenger from Ghana, West Africa, weighing in at 212 pounds, Kofi Kingston. And introducing the champion from Ayr, Scotland, weighing in at 254 pounds. He is the Drew. Je suis choqué. Je suis choqué. Main event, titre intercontinental en jeu. Kofi Kingston de la NWO versus Drew McIntyre. C'est parti! Oh my god! J'y crois pas. Et Kofi qui se fait huer face au champion. Allez, il se fait mettre au sol. Allez, Joe, qui je suis sûr est autant étonné que nous tous. Fille le coup de poing. Il plie le bras. Non, le bon coup de pied. Oh, le coup de pied à nouveau. Et le coup dans le dos. De l'ours, elle a pas, oh my god, il a pas lancé. Let's go, Joe. 1. Ah. Qui relève Drew McIntyre. Oh, la belle esquive. Attention, attention. Ah, Kofi qui revient avec le bon coup de poing dans la face. Attention. Oh là 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 là. Regardez, regardez, regardez comment il tente de l'étrangler. Drew McIntyre qui fait tout pour résister. Il a réussi à résister. Randy Orton qui se prend la tête à deux mains. Paige aussi. Slam. Oh, le dropkick. Le champion est à terre. Enfin, le champion qui défend son titre, parce que Kofi est un champion aussi, c'est le champion par équipe. Oh, il a repoussé. Voilà, c'est peut-être fini, c'est peut-être fini. 1, 2, et il dégage.
cœur. Il est chaud, Kofi. Il est chaud. Et pourtant, il a catché. Hein. Dans le premier match de la soirée, ça fait deux fois qu'il est en action ce soir. Et il joue du back suplex. DDT. Oh! Irish Whip. Attention du bras, le neck de cœur encore une fois. Regardez comment il se moque du New Day. Traître que tu es, bah. Oh, routine. Je suis sûr que Xavier Woods ne va pas laisser passer ça. DDT de Drew McIntyre, c'est peut-être la fin. 1, 2, ah, encore. On rappelle que le titre intercontinental is on the line. Only one can survive. Kofi Kingston qui s'en sort plutôt bien dans ce match. Et Drew McIntyre qui lui est un petit peu en difficulté quand même, hein, on va pas se mentir. Il y arrive mais il prend de sacrés coups. Le tombé. 1, 2 et dégagement encore. Le big boot in the face. Le tournement. Et encore. Attention. Et encore le retournement. Allez, Drucky. Oh là là, là il a pas vu venir. Oh, quel coup celui sur le torse. Maintenant, le SOS, il a esquivé le SOS du génie de la part de Drew. Let's go. Ah non, bah non, pas let's go. Hein. Et non, Drew qui a réussi à se dégager. Oh, il se jette et il enchaîne deux coups de poing à la Stone Cold Steve Austin. Que l'on salue d'ailleurs. Allez, Drew qui gère bien. Rien que pour punir Kofi Kingston de sa trahison, il faudrait qu'il perde. Peut-être. Le pinfall. Le pinfall, l'arbitre, il est où? 1, 2 et 3, oui. Victoire. Et conservation du titre de Drew McIntyre ce soir. Face à un autre champion, hein, la moitié des champions par équipe de SmackDown.
toujours membre du New Day, hein. C'est le champion par équipe, donc il est toujours membre. Mais c'est un tout nouvel membre de la haine. Talbot Bro, Kofi Kingston qui s'incline. Here is your winner, and still Drew McIntyre. Bonne soirée à tous et rendez-vous lundi soir pour Monday Night Raw. Portez-vous bien d'ici là.